Et salut à tous, donc on se trouve sur Fortnite, donc cette fois-ci pour le défi empreinte météorique. Donc pour ce défi, il faudra toucher un grand cube luisant, entrer dans une faille au-dessus de Loot Lake et chercher une capsule d'atterrissage. Donc du coup c'est parti, on se trouve en game, je vais vous montrer où les trouver. Et donc voilà, on se trouve en game, donc pour la première étape du défi empreinte météorique, il faut toucher un cube, donc c'est ce qu'on va faire. Donc il y a juste normalement à le toucher, donc voilà, il est juste là. Donc bien entendu c'est le cube de Loot Lake, donc celui qui est en dessous. Donc pour moi il est à Snowy Shore. Mais n'oubliez pas que l'île change de positionnement. Donc là pour moi elle est à Snowy, mais pour vous elle sera peut-être autre part. Voilà, du coup on se trouve à la deuxième étape, donc qui est traverser la faille qui est au-dessous de Loot Lake. Donc c'est parti. Donc voilà, du coup on se trouve à la deuxième étape, donc qui est traverser la faille qui est à Loot Lake. Donc là du coup on la traverse. Et normalement c'est terminé, donc on vérifie. Donc les défis, donc ils sont ici, empreinte météorique. Donc 2 sur 3, voilà, donc on a fait les deux. Donc on se trouve à la dernière étape, qui est chercher une capsule d'atterrissage. Donc c'est parti, donc normalement c'est au météore. Donc voilà, du coup on se trouve pour la troisième et dernière étape, donc qui est trouver une capsule. Donc il vous faudra vous rendre au météore. Donc je vous ai pas montré les Loot Lake sur la map parce que c'est trouver une faille au-dessus de Loot Lake, et je pense que tout le monde sait où est Loot Lake. Mais du coup le météore, je vous montre aussi, même si c'est pas forcément obligatoire, je pense, parce que tout le monde aura compris où situe le météore vu sa taille. Mais du coup la capsule c'est celle qui est dedans. Donc voilà, du coup de retour sur le météore, on pourra aller chercher la capsule, donc qui se trouve dedans. Donc je suis un petit peu tombé avant, mais là du coup on s'en fout, voilà on est devant. Donc la capsule c'est juste celle-ci. Donc hop, vous la fouillez, normalement c'est terminé. Donc là on va regarder. Donc voilà, 1 sur 3. Donc n'oubliez pas que je suis en partie perso, donc moi je relance mes games. Donc du coup là je suis à 1. Mais si vous, vous n'avez pas relancé votre game et que du coup vous êtes resté en game normal, et que vous avez du coup tout collecté en game normal, normalement vous il y aura 3 sur 3 et vous aurez le skin. Moi malheureusement je vais être obligé de l'aller en game normal, mais au moins là j'ai la tranquillité en fait, je me fais pas tuer par n'importe qui. Mais aussi du coup je vais en profiter pour répondre à une question, donc pourquoi est-ce que je fais moins de live? Il y a certains défis qui ont des retards, c'est tout simplement parce que ma co en ce moment bug beaucoup beaucoup trop en fait, donc je n'arrive plus du tout à stream, et certaines vidéos prennent du retard parce que j'essaye de les faire, mais vu que ça rollback toutes les 2 secondes, je trouve pas intéressant de les mettre sur la chaîne pour voir quelqu'un qui fout le bug, alors que bah, c'est juste censé être une vidéo, c'est pas censé bugger en fait de base. Mais voilà, du coup, comme d'habitude, si ça vous a aidé, si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à liker et vous abonner. Et sur ce, je vous laisse, à plus et à la prochaine.